Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit prank pour Petit Swan. Donc aujourd'hui, le principe du prank sera que je vais l'ignorer pendant 24 heures, tout simplement. Donc voilà, si je croise Swan et qu'il me dit bonjour, je lui mets un gros vent, comme si je l'avais pas vu. Voilà, je peux même manger ce qu'il a laissé, ou genre ce qu'il est en train de manger, vu que je le vois pas. Voilà, il faut vraiment que dans 24 heures, je l'ignore complètement. Swan n'existe pas pendant 24 heures. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis paré, donc là on est le matin. Swan est juste en bas, il est en train de regarder un petit dessin animé. Il se préparait un petit déj, tranquille, mais bon. Moi j'ai un peu la flemme, et puis c'est comme si je voyais un petit déj qui vient d'apparaître tout seul sur la table. Donc allez, c'est parti, on y va, hein. Moi je vais y aller. Connaissant la patience de Swan, je pense qu'il va vite péter un plomb. Vous écoutez une torture pire que la torture. Je vous l'avais bien dit pour mon petit déj. Allez, on se lance, c'est parti. C'est Léo. Oh, petit déj tout préparé, c'est pour moi. Sympa. Ah, là il y a la... La télé. Léo, bonsoir. Et la télé est bien en route, c'est bizarre. Où est la télécommande? Ah, elle est là. Bon alors déjà, mon petit déj. Moi j'ai pas les Simpsons, j'en ai deux. Léo, pourquoi tu veux pas qu'on regarde les Simpsons? Moi j'étais en train de les regarder. Qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Réponds. Je pose une bonne série, je vais aller sur Netflix. Ah, Matrix. C'est mon film. Allez, c'est parti. Je rêve ou les céréales se sont envolées? What? Il y a une force qui les prend. Démoniaque. Léo, pourquoi tu t'es assis sur moi? Bah voilà. Bon, allez, moi, faut que je me repose. Léo! C'est un bon oreiller. Oh, c'est un oreiller maçon. Ah. Portable. Là, je baisse un peu le volume. Ah non, c'est bon. Ah. Ah, Léo! Les céréales sont roulées. Léo, franchement, mais qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai pris du jus d'orange. Léo, pourquoi tu me piques tous mes trucs du petit-déj? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, jus d'orange. Bon, allez. Jus d'orange s'envole. Wow. Oula. Oh, l'oreiller m'a sorti. Ah, la nuque, le dos. C'est trop fatigué, vraiment. Ah, les épaules maintenant. Ah. Même la poitrine. Wow. Je savais pas que cet oreiller m'a sorti pouvait lancer des trucs. Ah, c'est un oreiller m'a sorti qui fait que pour nous endormir, il m'a lancé un oreiller et une couverture. Oh, il est génial cet oreiller m'a sorti. Je sais pas qui l'a acheté, mais c'est hyper agréable. Il est pas pratique finalement, mais il me promet ma couverture. Ah, c'est sûrement qu'on me la remette correctement. Ah oui, ah, merci, ah, j'adore ce oreiller. Trop cool, c'est le top du top. Ah, il veut me masser les pieds maintenant. Ah, les pieds. Oh, franchement, non, mais je vais le jeter à la vidéo. Y'en a marre. Oh là là, mais c'est nul, vraiment. C'est ce genre d'oreiller, franchement, faut direct les papiers. Bon, je vais mettre la poubelle après. Déjà, on va sortir de cette salle. Bonjour. Insupportable. Ah non, non, il est bien. Ah mais. Léo, laisse-moi rentrer. J'ai pas fini mon petit déj. Oh, il m'a volé mon petit déj. Parce qu'il y a ce matin, il m'énerve. Bon, conclusion de ce premier essai de prank. Eh ben, j'ai fait des tâches sur le canapé. C'est bien, génial. Mais par contre, j'ai un petit déj tout fait. Et pour l'instant, le prank marche. J'aurais dû faire ça bien plus tôt. Déjà, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Alors, maths, français. Bon bah, ça va être une bonne journée. Allez, c'est parti. Bon, déjà, pour bien travailler, il me faut de la place. Alors, bon, on va te poser ça là. Là. Qu'est-ce que... Là. Non mais Léo, arrête! Oh, range ton bureau! C'est bizarre, j'ai quelque chose à repousser. Pourquoi l'ordi est allumé déjà? Oh non, Léo, mais je travaille moi! Ouais, pourquoi l'ordi? C'est trop bizarre. Oh! Faut déjà que je range tout ça. Non mais, oh Léo, arrête! C'est pas drôle! J'ai
suis bientôt à cette place. Encore je ne sais ce truc du coup. Léo, arrête d'envoyer mon bureau. Voilà, là je vais. Moi, j'existe moi. Ouais, il faut ranger quand même ça correctement, je pense. Non mais oh, arrête. Voilà. Ah Léo. Bon, du coup déjà, attends, faut ranger ça. Voilà. Alors. Léo, arrête. Un peu tout ça, je pense, quand même. Ah mais celui-là, je l'ai pas vu. Il va être très bien. Ah mais oui, il marche. On va super. Ouais, non, il marche pas trop finalement. Encore un. Ah, celui-là. Oh. Ah bah lui, voilà, là c'est bon. Là c'est pile ce qu'il me faut. Il y en a assez en plus, parfait. Où t'as mis mon stylo, Léo? Ah ouais. Alors, oh là, mon stylo s'envole. Bon, faut que je jette celle-là à la poubelle déjà, il marche plus. Non, Léo. Non, non, voilà, c'est mon stylo. Léo. Alors, bon. Ah, la poubelle, tout ça. Non, c'est stylo, hein. Non. Les oreillettes. Merci Léo. Ah mais j'étais sûr d'avoir des jetés celui-là. Mais... Yeah, c'est le même. Arrête de me piquer. Moustique. Moustique, vraiment. Non. Arrête. Non. Voilà. Là, on sera bon. Ah, là c'est bon. Quoi? Les stylos sont encore là, mais c'est une blague, non? Qu'est-ce que tu fais? Faut que je m'en débarrasse, c'est pas possible. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu fais? Va des rétro satanas. Oh, on est débarrassé. Je suis sauvé. Non, j'ai servi d'acheter mes stylos pour la fenêtre. Oh, j'ai cherché de fête. Bon là je crois bien qu'il pète bien un câble, hein. Ça commence bien. Ah voilà. J'ai enfin retrouvé mes stylos. Few moments later. Maintenant c'est la récré, j'ai un petit peu occupé de Swan, hein. Il est l'air tellement joyeux. Oh non, on est horrible, non. Allez, c'est parti. C'est bizarre que trampoline se vient tout seul. Non. Ah, voilà, c'est fermé, c'est bizarre. Non, allez, un peu de détente avant de retravailler. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est reparti. J'ai vérifié si le temps était coulé. Ah bah 15 minutes, la récré est finie, c'est bon. Les garçons à table, vous allez mettre le couvert s'il vous plaît? Ok, d'accord. Pas de problème. Et aujourd'hui on déjeune dehors. D'accord. D'accord. Ah, allez, c'est parti pour votre table. Léo, pourquoi il y a que trois verres? Et mais il y a moi aussi, hein, mais moi aussi je peux manger. Voilà, la table pour trois. On est bon. Quoi? Mais pourquoi pour trois? On est quatre, Léo. 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 Ah, ça va être bon là. Parfait. Pourquoi tu m'ignores, Léo? Tu me mets des vents à chaque fois. Voilà, la table est mise, j'ai pour pour manger. Oh, c'est quoi? Ah. Ah, c'était une très mauvaise idée. Léo, pousse-toi. Et voilà. Léo, quand même, parle-moi. Je vais écouter un peu de musique. Ou quoi? Léo, écoute-moi deux secondes. Arrête de mettre des vents, c'est hyper énervant. Tu m'écoutes? Léo. Léo, c'est pas drôle. Bon ok, j'ai cherché mon assiette, mes couverts et mon verre. Oh. Là je crois qu'il montre précis moi. Léo. Léo, mais là tu m'ignores totalement. Ouais, très c'est énervant c'est... Léo. Et là, bon, tu m'ignores toujours. Une verse. Non, il fait grand soleil pourtant. C'est il m'ignore toujours. Bizarre. Léo, pourquoi tu m'ignores à chaque fois? Drôle de condition météorologique. Oh, j'ai mangé tout seul dans la cuisine, hein.
Allez Néo, c'est la dernière chance. Et si tu m'ignores. Ah. Tiens. Il pleut encore? La météo n'avait pas annoncé ça. Non, tu m'énerves! Mieux tout le temps m'ignorer, tout le temps me faire des vents, et ça, ça m'énerve, c'est pas cool! Faut que je mette la table à l'intérieur. S'il pleut encore comme ça, ça va pas le faire. Hein. Ok. C'est parti! Bon, alors du coup, là, on vient de finir le repas, donc la bûche m'a pas trop plu quand même. Hein. Et là, du coup, on est en train de jouer avec sa Switch, donc là, on va en profiter pour bien l'embêter. Maintenant, il est temps de se détendre. C'est long. Ah, bon oh. Coussin, viens. Oh, c'est la chambre. Oh, mais pousse-toi, je joue. La Switch était là. C'est longtemps que je la cherche. Non, c'est moi qui joue. Oh là, mais il y a un truc qui la prend. Ah. Ah, en plus, je voulais jouer à Zelda, ça tombe bien. Oh, pousse-toi, Léo. Je vais reprendre la Switch. Oh là, il y a des bugs dans cette Switch, non? Bon, allez, faut... je vais me remettre correctement. Ah Léo, pousse-toi. Bon, maintenant, je tiens à reprendre la Switch. Mais par un bug, oh, c'est pas possible, mais comment tu bouges sur l'écran? What? Trop bizarre, hein, vraiment. Tu vas reprendre la Switch. Allez, moi, faut que je me remette correctement. Tous ces bugs, c'est pas possible. Oh là là, non mais. Est-ce que c'est n'importe quoi? Moments later. Ah bon, c'est pas tout ça, mais moi je suis quand même un petit creux. Hein. Je pense qu'il est l'heure du goûter. Allez, faut que j'aille goûter. Alors, elle, allez, je vais poser la Switch. Donne-moi la Switch, Léo. Je vais poser tout en haut. J'ai essayé de voir. Les garçons, c'est l'heure du goûter. Oh, allez. Mais j'ai pas le temps de jouer à Switch. Oh, tu plaisantes. Ça fait un grand moment que t'es dessus, hein. Allez. Non, hop. Non, on va tweaker. Oh, ok, c'est bon. Dépêche-toi, oh. C'est l'heure. Alors là, du coup, c'est l'heure du goûter. Donc d'habitude, le goûter, on prend un paquet de gâteaux et on le partage. Sauf que là, je vais le partager avec moi-même. Ah. S'il te plaît. Non. Eh non. Mais hé Ah, il m'en faut un ou quoi? Attends. Hé, t'en prends un, s'il te plaît. Léo. Mais là, tu fais exprès. Ah. Arrête, Léo. Ah, oui, merci. Ah, un gâteau volant. Bon. Léo, j'en prends un autre et cette fois-ci tu risques. Ah. Léo! Léo! Donne-moi ce paquet de gâteaux! Je prends ces gâteaux! Donne-moi! Donne-moi ce paquet! Les garçons, allez, c'est fini pour le goûter, vous rentrez? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Oh. Ah, qui veut la dernière part de jambon? Moi. Personne? Bon, ok, merci. Non, mais Léo, moi j'avais.
En plus j'adore ça donc merci à tous. Néo laisse-moi au moins prendre ça. Néo trop trop bon. Néo laisse-moi la prendre. Non regarde. Néo au moins on partage quoi. Dommage que Swan ne soit pas là pour la manger, en plus je sais qu'il adore ça. Donc, dernière part je pense que je vais la donner aux animaux. Non laissez-moi. Bon allez c'est parti. Non pas question. Alors du coup maintenant on a goûté, donc Swan il a un petit temps pour jouer à Minecraft, voilà. Donc là ça fait plusieurs semaines qu'il est sur un château, voilà un méga château même. Et du coup bah vu que là il est invisible pour moi, bah je sais pas, mon, c'est pas son château quoi, je sais pas moi. Donc je vais préparer un méga monstre pour détruire son château. Vous êtes prêts? On y va. Ah je vais jouer à Minecraft. C'est parti. Oh mais Léo sérieux, pourquoi tu les as détruits? J'ai passé des semaines à construire. Pourtant mettre un troisième parce que bon quand même hein, faut bien tout détruire. Mais hein. T'es méchant. Voilà. Là ça c'est bien voilà. Léo sérieux. Là c'est parfait. Pourquoi tu détruis mes châteaux? Allez, la petite touche finale. J'ai donné tellement de temps. On va terminer tout ça au bout d'un moment hein, quand même. Et on termine bien tout ça avec un petit king. Voilà. Oh mais Léo sérieux. Là c'est magnifique. Du bon travail. Oh. Là par contre je crois que je l'ai tellement énervé. On est maintenant un peu de lecture. Alors quel livre je vais prendre? Non pas ça. Pas ça, ouais, pas grand chose hein. Faisais ton livre Léo. Oh mais attends, je l'ai pas lu celui-là. Ouais. Sympa. Ah, allez, allez, un peu. C'est moi qui dois lire. Lecture. Ah, ah donne-moi aussi. Ah, c'est pas confortable ici, bon je vais aller dans ma chambre. Ah. Pas agréable hein. Oh Néo, rends-moi la bébé. Oh, pris mon livre. Et bien sûr elle s'est enfermée dans sa chambre. Oh, il a oublié son iPhone. Je vais le cacher dans un endroit sûr. Il n'aurait pas tardé à revenir. Alors maintenant, il est quelle heure? Attends, où est modèle? What? T'es pas avec moi? Où est Montel? J'ai dû le laisser dans la chambre de Swan. Ah, Léo, il te manque quelque chose? Okay, ah comme toutes les loin, par exemple. Ouais, par ça, il va falloir m'en parler. Et où? Écoute-moi! Possible. What? Moi, je sais où est ton téléphone! C'est possible, mais. Il va falloir me le demander! Voilà, où est-ce que j'ai mis ce truc? On va se voir là déjà! Alors. Léo! Parce que j'aurais bien pu le laisser! Pousse-toi! Possible, mais franchement, mais. Léo! Comment il a pu disparaître? Ça n'a aucun sens! Ça tombe très bizarre tout ça. Hein. Y a pas disparu, c'est moi qui y ai. Bon, faut que j'ai cherché. Je vais chercher dans ma salle gaming quand même. Hein. Il va jamais y retrouver. Je pense qu'il va revenir. Few moments later. Alors, gros problème, c'est pas du tout mon téléphone. Et apparemment, Swan le sait lui par contre. Donc là, je vais être obligé de lui parler. Sérieux, ce prank est raté du coup. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. On va lui parler un peu. Alors, Néo, on cherche ton téléphone? Bon, d'accord, c'était un prank. On est où maintenant? C'est bon, c'est pas drôle là. Ah, pour ça, il faut répondre à quelques questions. C'est quoi ta question? C'est, est-ce que je comprends maintenant? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Non, oui. Ok, d'accord. Mais non, je veux des excuses. Tu me dois des excuses là. Bon. Désolé, Swan, pour ce prank. Merci Léo. Oh. Maintenant je peux aller chercher. Oui. Hop. Bon alors il était où? Sérieux. Il était juste là. Petit futé. Tiens. Sérieux. Bon allez, salut. Léo, tu dois me promettre aussi de ne jamais refaire ce prank. Ouais ouais, allez, salut. J'ai pas dit qu'il va pas tenir sa promesse. Bon,
J'y étais presque. J'étais à deux doigts de faire les 24 heures, franchement. Et voilà, c'est la boulette du téléphone. Je me suis bien fait avoir. C'est vrai que ça a été malin sur ce coup-là. Il m'a bien eu, c'est vrai. Bon, par contre, si j'avais pas laissé mon téléphone, il aurait jamais pu réussir. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai pas fait gaffe, écoutez. Franchement, quand même, je trouve que je me suis bien débrouillé. C'était pas mal. Mettez un max de pouces bleus si vous avez le même avis que moi. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je vous dis salut. Plein de bisous.